Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Alors dernièrement, j'ai sorti une vidéo sur la chaise que j'ai reçue. Et bien cela m'a donné des idées de vous créer du contenu sur le sujet. Que cela soit pour les gamers ou ceux qui passent leur journée à travailler devant un ordinateur, je pense que ce top sera utile pour beaucoup d'entre vous. Mis à part le premier produit, je me suis axé sur une marque en particulier qui, à mon sens, propose d'excellentes chaises de jeu avec un super rapport qualité-prix. Donc regardons ensemble ces 5 super fauteuils de jeu. Avant de démarrer, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer toutes les notifications sur la petite cloche. Bon visionnage! Pour ce premier produit, nous allons parler de la marque Corsair qui a lancé sa nouvelle série de fauteuils de jeu. Pour les connaisseurs, le matériel comprend uniquement une clé Allen, deux vis de rechange, deux jeux de câbles latéraux, un élévateur à gaz de classe 4, une jupe anti-poussière télescopique pour l'élévateur et un jeu de roulette, qui roule plus facilement sur les sols durs. Aussi, les pivots éliminent le phénomène de roulette coincée, souvent rencontré sur des chaises bas de gamme. Par ailleurs, le manuel d'instruction est relativement facile à suivre, donc pas de panique. Il est cependant important de le consulter. Sans ça, vous passerez à côté d'étapes primordiales. Par exemple, il y a une technique pour fixer les roulettes et le capuchon rouge de l'élévateur doit être retiré. D'ailleurs, placer les roulettes, c'est un petit peu sensible, car presser et remuer les roulettes tout en plaçant le haut du socle contre votre jambe peut vous blesser. Cela a été le cas de plusieurs utilisateurs, donc lisez absolument le manuel. Enfin, le rembourrage des sièges est en cuir PU et de qualité supérieure. Il ressemble au revêtement en polyuréthane texturé d'écouteurs. Aussi, le dossier en cuir recouvert de vinyle est un petit peu plus lisse et rigide, semblable au tissu d'ameublement d'automobile. Rechercher un siège de jeu n'est pas une chose si simple que ça. Vous pouvez rencontrer de nombreux obstacles tels que le budget, la qualité ou encore l'efficacité. Et comme si cela n'était pas assez, des centaines de sociétés différentes essaient de vendre des produits similaires et parfois même identiques. La plupart des gamers veulent se procurer une chaise offrant le meilleur rapport qualité-prix. Et bien ici, je vous présente la marque Respawn, le leader dans le domaine. Elle offre des chaises parfaites pour les joueurs à petit budget et qui a beaucoup à offrir. PS, les produits suivants seront issus de la même marque. La chaise de jeu Respawn est une chaise de jeu économique qui sera une bonne option pour toute maison ou tout bureau. Pourquoi ? Car elle est équipée de nombreuses fonctionnalités que l'on retrouve uniquement sur des chaises de jeu plus chères. La chaise est ornée de cuir noir PU lisse au toucher et résistant aux taches et à la saleté. Les surfaces en cuir de la chaise proposent des couleurs mettant l'accent sur le blanc, le rouge, le vert, le gris ou le bleu. Cette combinaison de chaises de jeu devrait accorder des heures de jeu prolongées sans se fatiguer. De plus, cette chaise a un appui-tête réglable et des oreillers lombaires pour fournir un support au dos et au cou afin que votre colonne vertébrale soit parfaitement alignée. Mais ce n'est pas terminé. Elle possède également un repose-pied extensible pour aider à soulager les jambes, ce que peu de chaises à bas prix peuvent vous proposer. Pour vous parler un peu pratique, la chaise de jeu Respawn peut être personnalisée afin de s'adapter à de nombreux types de carrosserie et exigences de position. Le bas du siège peut être levé et abaissé, et le dossier peut être incliné de 90 à 130 degrés, et verrouillé. Elle dispose également d'accoudoirs dynamiques qui glissent automatiquement vers l'arrière lorsque le dossier du siège est incliné afin de les maintenir dans la position où vous avez le plus besoin de l'appui de l'avant-bras. Ce fauteuil est vraiment conçu de manière solide, reposant sur une base à 5 pieds et muni de roulettes verrouillables ainsi qu'une capacité de poids de 125 kg. Plutôt pas mal. Vous l'avez remarqué, cette chaise a été fabriquée dans le but de résister à un usage intensif et répété. Allez, on continue avec un autre modèle de la marque Respawn. Je vous avais prévenu de toute façon. Le Respawn 205 est également doté d'oreillers lombaires et d'appui-tête pour prolonger votre confort lors de longues séances de jeu. La suite ? Eh bien, vous pouvez aussi voir que la base de Respawn 205 dispose de charnières en plastique. Bien que cela puisse refroidir certaines personnes, figurez-vous que ce produit, comme son prédécesseur, peut supporter un poids allant jusqu'à 125 kg. De plus, le Respawn 205 ajoute un peu plus de style avec des petites fenêtres situées au bas de ce dernier.
Contrairement à la chaise Corsair T1, les roulettes du Respawn 205 n'ont pas de roulement. Les roues des sièges ont des pneus caoutchoutés pour faciliter les mouvements sur les surfaces lisses. Mais le manque de roulement peut rendre le fauteuil un peu difficile à pousser. La monture arrière, quant à elle, offre environ un peu plus d'un centimètre d'ajustement avant-arrière. Quant à la hauteur, elle est contrôlée par la mise en place des oreillers lombaires et de l'appui-tête. Ah, mais que vois-je? Un autre fauteuil Respawn. Le RSP400 dispose d'accoudoirs similaires aux autres modèles, mais avec un dessus rembourré plus large et des fonctions plus ajustables. En dehors du réglage en hauteur, les accoudoirs peuvent s'ajuster d'un côté à l'autre, d'un angle vers l'intérieur ou vers l'extérieur et glisser vers l'avant et l'arrière, le tout en fonction de vos besoins. Passons désormais à la conception. Le RSP400 se caractérise par une base en métal incroyablement solide avec des roulettes standards. Bien que cela puisse paraître banal, il est essentiel d'avoir une chaise grande avec une empreinte solide pour vous soutenir lors de vos sessions de jeu. C'est un grand pas en avant par rapport à la génération précédente de sièges dotés d'une base en plastique durci. D'ailleurs, en parlant de forme et de fonction, parlons du dossier de la chaise. Vous disposez de deux oreillers réglables pour le soutien lombaire et le soutien du cou. Par contre, l'oreiller cervical sera plus ou moins bizarre et étrange si vous n'êtes pas habitué. Mais cela vous incite à adopter une bonne posture une fois assis. Mais bon, si vous n'aimez pas les oreillers, ils sont amovibles donc vous pourrez les retirer. Chacun son truc. Allez, on termine ce top avec un dernier produit provenant de Respawn aussi. Je pense que vous l'avez compris, cette marque est clairement leader dans l'industrie. Ce n'est pas pour rien que vous la retrouvez souvent sur internet. Visuellement, le RSP300 est simple, élégant et se décline en plusieurs couleurs. Ses pièces décoratives sont plus anguleuses que les autres chaises, ce qui lui donne un look unique et singulier. Cependant, le RSP300 est encore plus unique en son genre car il s'agit du premier fauteuil de Respawn à avoir une assise et un dossier entièrement en maille. Il permet également à l'air de circuler en abondance, évitant ainsi une surchauffe lors de longues sessions de jeu. Par ailleurs, la chaise est également dotée d'un large éventail de fonctionnalités, telles qu'un pivotant à 360 degrés, un angle d'inclinaison maximale de 130 degrés, une hauteur de siège entièrement réglable en une hauteur et profondeur, y compris pour les accoudoirs. Le RSP300 est également livré avec un oreiller qui peut facilement être attaché ou retiré du fauteuil via une sangle. Contrairement à la dernière chaise de Respawn, le coussin lombaire réglable est situé derrière le filet plutôt qu'en face de celui-ci. C'est à double tranchant. Bien que vous n'ayez pas besoin de réinitialiser sa position toutes les quelques heures, il est difficile de se lever et de se pencher à l'intérieur du fauteuil pour changer la position lombaire par rapport à la simple tentative de se placer derrière le dos pour la déplacer. À moins que vous n'excédiez considérablement la capacité de poids, il n'y a aucune raison de ne pas choisir le RSP300 comme fauteuil de jeu. Entre son niveau de confort incroyablement élevé, son prix étonnamment bas, ainsi que la présence de presque toutes les fonctionnalités clés souhaitées dans une chaise, le RSP300 en vaut clairement la peine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, comme vous le savez, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel produit vous a le plus plu ? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao !